Max de pouces bleus en mode Genki Dama. Ah là, voilà les montagnes. Ah voilà. Broly. Broly. On l'a appelé, il est venu. Il est tombé sa famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Ça y est, l'anniversaire des 4 ans de DBL a enfin commencé officiellement avec l'arrivée du portail Migate LF accompagné du Vegeta SSJ Transfo SSJ Blue. Avant de commencer les invocations, les amis, merci à tous ceux qui étaient présents lors de mon live YouTube à 3h du matin pour que l'on découvre ces personnages et le gameplay de Migate LF qui est tout simplement spectaculaire. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion si vous l'avez manqué, j'ai laissé exprès cette rediff, donc faites-vous plaisir. En attendant, il faut qu'on analyse tout cela. Les taux de drop pour les Sparking à 20%, pas mal. Les PZ qui sont doublés, pas mal. Au niveau du détecteur, il y a pas mal de LF. Après, on va pas se mentir, on aurait peut-être préféré encore mieux, etc. Mais bon, nous, ce qu'on vise, clairement, les gars, hein, c'est Migate. Hein. Et puis, bah, également, le Vegeta, si on pourrait l'avoir, le Vegeta SSJ, Transfo SSJ Blue. Mais souvenez-vous, il y a de ça quelques jours, on avait parlé de la fameuse énigme officielle Dragon Ball Legends avec le papillon. On me disait, Soso, c'est Ribrian, Soso, c'est Panabay. Moi, je vous ai dit, non, je pense à Yurin. On m'a dit, mais non, Osef de ce perso, etc. Eh bien, regardez, les amis, il s'agit bien de Yurin en carte EX. Mais j'avais été encore plus loin dans cette analyse en disant que je pense qu'on pourrait avoir une carte tag Yurin accompagnée de Muten Roshi. Et qu'est-ce qu'on voit là dans le fond d'écran? On a le Muten Roshi. Et quand elle fait l'aspect, en fait, Muten Roshi vient en soutien. Il se transforme, il lance le Kamehameha. Regardez-moi ça. Elle l'invoque, il est là. Et bim, il fait le Kamehameha. Franchement, ça, si jamais je le chope, les gars, je pèsais de 14 étoiles. Alors certes, c'est pas une véritable carte tag, etc. J'aurais préféré un vrai tag, tu vois. Ou j'aurais préféré un vrai Muten Roshi. Mais déjà, on nous balance un petit peu Muten Roshi, je prends. Voilà. En tout cas, on n'a pas été trop mal hein, au niveau de l'analyse pendant le live où on analysait justement l'énigme. Les gars, Yurin avec Muten Roshi, on n'était pas si dégueulasse que ça quand même. Hein. C'est bien arrivé sur le jeu. Je dis ça comme ça, n'hésitez pas également, vous aussi, à réagir dans l'espace commentaire si vous étiez d'accord avec moi. En attendant, on peut également regarder... déjà, il va y avoir beaucoup de contenu. Hein. Ça, déjà, c'est vraiment bien le contenu. On a des tickets pour faire des invocations. Là, également, on peut récupérer des tickets Legends Limited de garantie. Là, c'est pareil. 1000 cristaux, tu as également un LF garanti. On a ensuite, bon, bah voilà, les singles, Gamma One, etc. Tiens, bah d'ailleurs, hop, on va faire la petite single sur Gamma One, Gamma Two pour commencer ces invocations. Voilà, donc au niveau de l'anniversaire, il y a quand même pas mal de contenu. Si je dis pas de bêtises, ils ont dit jusqu'à 4000 cristaux qu'on va pouvoir récupérer. Il va y avoir du raid, etc. Vegeto Blue Legends Limited qui va obtenir son Zenkai. Je rappelle que les Zenkai maintenant c'est gratuit. Donc ça c'est quand même pas mal. On a vraiment des choses très intéressantes. Pour l'instant, oh, Sparking à 20 cristaux. Bah ça commence bien. Sparking à 20 cristaux, ça commence bien mesdames et messieurs. Vous voyez, voir. Ok. C'est pas ouf mais on prend. Voilà, c'est pas le meilleur, mais on prend. Donc voilà, on a quand même des choses très intéressantes. On n'a qu'un seul portail pour l'instant avec Migate LF accompagné du Vegeta Transfo. C'est vrai que d'habitude, on a souvent deux step-up. Après, je pense que, comme je vous l'avais dit également, il y a de ça quelques semaines, je pense qu'il y aura trois parties durant l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. Le 11 juin sort au Japon le film Dragon Ball Super Super Hero. Je pense que le 11 juin ils vont rebondir, nouveau portail pour le film. Voilà. Et du coup en soi c'est pas mal. Et ensuite fin juin on aura une troisième partie, parce qu'ils ont bien précisé lors du Reveal and Stuff qu'on a découvert ensemble en live à 3h du matin que l'anniversaire va durer 40 jours. Donc quand même 40 jours tu vois, bon il y a de quoi faire. Je pense qu'on va les avoir les trois parties. Et forcément il y aura sans doute un personnage ultra. Moi je pense à un petit Vegeto. Parce que souvent, normalement, Toshi, il aime bien balancer un Vegeto comme ci, comme ça, tu vois. Surtout qu'il y a le Vegeto Blue LF, comme j'ai pu vous le dire, qui va obtenir son Zenkai. Oh. Oh, bah voilà. Bon, bah voilà, Golden Freezer à 20 cristaux. On prend très, très bon perso. Excellente unité. Ça commence bien. Par contre, attention, je veux pas que toute ma chance aille là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Voilà, non, bon, on va aller directement sur Migate, là, parce que là, oula, bon, très bien, hein, ok, on a déjà pris Golden Freezer, mais s'il te plaît, frérot, on veut surtout Migate, hein, d'accord, donne-nous Migate, et bien évidemment, les amis, tout ce que vous voyez là, les tirages, etc., et bien sûr, on continuera à aller invoquer,
à partir d'aujourd'hui, 18h, en live, duel invocation contre Madame Luck Divine, qui d'ailleurs se lance également sur YouTube. Vous avez le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. On verra qui de moi ou de elle aura les meilleures unités, le plus de points. 18h, activez la cloche. En attendant, on est parti. 3, 2, 1, yeah! Allez, c'est parti pour l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends! Donne-moi direct Mingaté, comme ça on n'en parle plus. 3 capsules, Namek. Planète de la Hess, ça commence mal après, bon, c'est la première. C'est la première, on va pas. Voilà, on va pas commencer à faire des chinoiseries. Kamehameha, let's go. Ça prend pas le dessus, ça va pas être foufou, je pense pas. Ok, l'IX. Par contre, j'aimerais bien avoir Yurin en IX. Moi, il me faut Yurin IX. Et si j'ai Yurin IX, je suis content. Hein, parce que là, c'est direct les PZ. Hein. Là, c'est direct PZ 14 étoiles pour le Muten Roshi. Moi, je cherche même pas midi à 14h. Hein, c'est comme ça. Bon, voilà, 3 IX. C'est normal. C'est la première. On prend la médaille. On n'oublie pas que la Pity, un peu moins de 40 000 cristaux. Et vous pouvez obtenir le Migete LF. 3, 2, 1. Yeah! Let's go. Let's go, les amis. Let's go. Et max 2 pouces bleus en mode Genki Dama, s'il vous plaît. Non, planète de la Hess, une capsule. C'est pas... Non. Non, Toshi, frère. Tu me donnes Golden Freezer sur une single à 20. Et maintenant, tu me donnes de la zoivrie. Oh, c'est quoi ces invocations de zinzin, là? Allez, allez, allez. Allez, allez, donne-nous du... Donne-nous des trucs un peu plus convenables, tu vois. Respecte-nous, quand même. On n'a pas beaucoup dormi, frère. J'ai dormi une heure, là. Frérot, à 3h du mat, on était là, on a... Voilà, quoi. On mérite le Mingaté, je pense. Par contre, là, c'est full héros. Ah ouais, full héros. Ah ouais, c'est violent, hein. Ah, crois-moi, si t'as pas dormi, il te réveille, le jeu. Ah, le jeu, il te réveille. Ok. 3, 2, 1, yeah. Donc là, il y a 7 personnages, 7 tirages. Et après, on attaquera les vrais multi. Planète de la Hess, mais 5 capsules. Ah, enfin, Sparking. Vegeta. Si tu pourrais me ramener le Vegeta Transfo et ses Jibu, on dirait pas non. Let's go. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ok. Ciao. Goku et ses Jibu type rouge. Ok. Il y en a un deuxième ou pas? Petit deuxième. Yurin. Non, pas Yurin. Ok, Cyberman. Ok, bon, ça va pas être ouf, hein. Franchement, ok. C'est pas foufou. Au moins, il y a eu un Sparking, mais bon, c'est pas non plus truc de ouf, hein, le Sparking. Hein. Vu que je l'ai déjà 14 étoiles, je vais rien faire avec. Par contre, IX ou plus garanti. C'est là où ça peut devenir intéressant. 3, 2, 1, yeah! Allez! IX ou plus garanti, bien évidemment, on veut le plus garanti. Nous. Ah, nous, c'est ça. Ou au moins Yurin. Yurin dans les IX. Par contre, c'est toujours planète de la Hess. On peut pas avoir les montagnes, l'espace, Badak qui vient, des trucs comme ça, non. C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible. Lui, c'est bleu. Sparking. Bon. Sparking garantie. Freezer qui se fait exploser, c'est Sparking garantie. C'est pas mal. Ok, il est Sparking. Ok. Chill de Zenkai que j'ai déjà 14 étoiles. Super. Allez, au moins, Yurin. Ok, le Freezer, celui-là, ça va, je n'ai pas beaucoup d'étoiles. Osef. Osef. Oh là 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 là. Bon, ça, c'est pas mal, Goku. Hein. Je crois qu'il est 13 ou... Je pense pas qu'il a encore 14 étoiles, mon Goku. Hein. Ok. Thomas. Vas-y, donne-moi Yurin au moins, là. Oh là là. Mais deux fois le virus. Oh là là. Pas d'Yurin. Pas de Yurin. Et du coup, si je crois que mon Goku a, du coup, il est déjà à 14 étoiles. Ouais, il est déjà à 14 étoiles. Purée, j'avais un doute entre 13 et 14, mais du coup, ok. Alors, le prochain palier 6 est gratuit. Le prochain palier après numéro 6 est gratuit. En attendant, s'il te plaît, fais-moi plaisir le jeu. 3, 2, 1, yeah! Allez, allez le jeu, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi toujours planète de la Hess? Pourquoi toujours la planète de la Hess? Elle est verte et tout. Toujours Namek de la Hess, frère. C'est trop. C'est trop. Allez, fais-moi un truc de ouf, là. Fais-moi un truc de ouf. Vas-y, alors, on va demander du fake out. Donne-moi des switch. Donne-moi des switch. Rikum, on s'en fout. Yurin.
Allez, Célipa, va remettre ton slip. Va faire de la charcuterie ailleurs. C'est bon, donne-nous des trucs qu'on veut. Vas-y, Vegeta, il sert à rien. Ok, Pan, ok. C'est le junior. Yurin. Gogeta, vas-y. Lee Shenron. Pourtant, on a des EX, hein. Pourtant, on a des EX. On a tous les EX du jeu, sauf Yurin. Ah, t'inquiète. On a tous les EX du jeu, sauf Yurin et Muten Roshi. Ah, ça, t'inquiète. Ok, la gratuite. Yeah! Allez. Allez, c'est bon. Allez, et max de pouces bleus, s'il vous plaît, les amis, pour me soutenir. J'en ai besoin. Max de pouces bleus en mode Genkidama. Ah là, voilà les montagnes. Ah, voilà. Sur la gratuite, c'est ça qu'il faut voir. Eh ben, dis donc. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Glisseur. Broly. Broly! On l'a appelé, il est venu! Il y a plusieurs élèves. Mais nous, ce qu'on veut, c'est Migaté. Il y a plusieurs élèves, mais nous, ce qu'on veut, c'est Migaté élèves. Allez, les amis. Les amis. Est-ce qu'on peut rentrer dans la légende? On avait dit les montagnes, j'en avais marre de la planète de la Hesse. On avait dit les montagnes. Let's go. Donc là, il y a un élève garanti. Élève garanti, s'il te plaît, Migaté. S'il te plaît, Migaté. S'il te plaît, Migaté. S'il te plaît. Migaté, le recours! Ah, Migaté, le recours, les amis, on l'a fait tomber en un step! Voilà, c'est ça qu'on veut voir! C'est ça qu'on veut voir sur la gratuite! Merci, Toshi! Voilà, mesdames et messieurs! Voilà, c'est ça qu'on veut voir! Ça se trouve, il y en a encore! Ça se trouve, il y en a encore! Oh là là, on l'a fait tomber direct! On n'a pas cherché à comprendre! On a dit, Toshi, c'est pas bien ce que tu nous fais! Sur la gratuite, Toshi l'a dit. Allez, tiens, prends! T'étais debout à 3h du matin, t'as fait un live, tiens, prends! Oh là 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 là! Le soulagement! J'ai envie de vous dire, le soulagement! Le soulagement de se dire, il n'y avait pas besoin de mettre 50 000 cristaux, tu vois, pour le faire tomber une fois. On va pouvoir le faire tomber dispo, ok. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé, les gars. J'ai pas beaucoup dormi, tout ça, je suis essoufflé. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. On a fait tomber le Migaté no Goku en un step-up. Oh là là, hey, les amis, ce soir, 18h, on va aller faire ce duel invocation contre Madame Luck Divine. En tout cas, elle va voir comme quoi j'ai eu le Migaté. Elle l'a pas. Et voilà ma cocotte, c'est comme ça. J'aimerais bien avoir le Yurin duo Muten Roshi également. Les amis, je compte sur vous. Max de pouces bleus. N'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et activez la cloche pour le duel. À 18h, on attend Luck Divine. Ramène-toi, on a déjà Migaté nous dans la box. Voilà les amis, merci à vous et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!